Donc le but de la convention, c'est de pouvoir collecter tout ce qui est déchets, cartons et papiers que l'entreprise Mérinal rejette tous les jours, quotidiennement, de pouvoir les collecter et de leur donner ce qui avant avait une valeur de zéro. Maintenant, on va valoriser ce produit-là et on pourra le récupérer en contrepartie d'une compensation financière qui sera pour eux aussi un tout petit chiffre d'affaires, mais qui reste important. Ce qui valait avant zéro, aujourd'hui, aura une valeur financière. Cette première phase, je pense, est maîtrisée. Donc, tout ce gisement que maintenant nous sommes en train d'exporter, dans 2 ou 3 ans, nous l'espérons, pouvoir l'utiliser ici, localement en Algérie, pour pouvoir fabriquer des bobines de papier. Un projet de 400 millions d'euros qui sera financé une partie par les banques et une partie par fonds propres. Enfin, ce projet-là pourra, dans un premier temps, satisfaire les besoins de General Emballage, dans un premier temps. Plus tard, on pourra vendre pour les producteurs locaux et ensuite, pourquoi pas exporter. Donc là, l'Algérie est en position d'importation, principalement d'importation de papier, va devenir un pays exportateur de papier dans peut-être 5-6 ans.